que no. Oye, mira, mira. ¿Por qué tú se te oye? Offensif, 5 points pris aujourd'hui, pas d'essai encaissé, donc c'était vraiment important. On marque beaucoup de points, on en a encaissé peu, voilà, on s'est rassuré, même si l'équilibre reste quand même fragile. Vous avez eu l'impression d'un petit peu de fébrilité, d'un petit peu de match à évacuer en début de rencontre? Ouais, carrément. Hein. On a fait plein de petites fautes qui ont fait qu'on n'a pas réussi à mettre notre jeu en place, notamment en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, ça a été beaucoup plus fluide, d'où l'ampleur du score. Est-ce que ce match-là peut remettre en confiance le groupe durablement? Ouais, l'équilibre reste quand même très fragile. On n'oublie pas d'où on vient. Voilà, on sortait de deux défaites, dont une très sévère. On a pris 50 points à l'avoir. Mais après, voilà, j'espère que ça va nous faire basculer dans le bon côté. Un match à Blagnac qui ne sera pas une partie de plaisir le week-end prochain, mais vous l'abordez avec un petit peu plus de confiance. Ouais, bah Blagnac, voilà, favori, un des favoris de la poule. Hein. Ils sont tout en haut de l'affiche. Ils affichent leur ambition. Voilà, c'est très bien huilé, c'est puissant devant. Voilà, c'est un jeu vraiment bien en place. Après, nous, on y va avec nos armes et intention de faire un bon match et de s'étalonner face aux favoris de la poule. Voilà, on aura clairement le rôle de l'outsider samedi soir.